Lumière tamisée et au son de la batterie, des pas de danse rythmés. Adonis exécute avec dextérité le loser. Le danseur originaire du Burkina Faso raconte une histoire à travers ses mouvements corporels. Adonis s'est inspiré du crump, une danse américaine, pour créer la danse loser. Dans loser, je parle de la place. Et parce que je me suis toujours questionné, c'est la place que chacun occupe. Est-ce qu'on attend qu'on nous donne une place ou est-ce qu'on prend sa place? Et souvent j'entends dire la place de la femme, c'est dans le foyer. Et je me demande, c'est quoi la place de la femme? Et donc mon questionnement, c'est est-ce que c'est les yeux des autres qui te donnent une place ou est-ce que tu choisis une place? Et donc pour moi, c'est un questionnement autour de la place. Pour le public, difficile de percevoir d'emblée le message contenu dans cette expression corporelle. Il faut tout simplement se laisser transporter par la magie de l'art. Néanmoins, ils apprécient l'originalité de cette danse. J'avoue que dès le départ, je n'ai pas vraiment cerné l'histoire. C'est au fur et à mesure que j'ai pu comprendre l'histoire. Vraiment, on s'est laissé emporter par l'histoire qu'il nous racontait. Donc, c'était vraiment bien. Là, il nous a carrément emballé, fait voyager de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés dans le Bronx aux États-Unis. Et je crois qu'on y était physiquement et puis sur le plan spirituel aussi. C'est en 2012 que la danse Loser a été créée. La troupe entend promouvoir cette danse au cours de la 8e édition du Massa.